Mon grand-père était un guerrier. Et c'est moi qui connais Ongwa-Bissau. Il s'appelait pas Ongwa-Bissau. Il s'appelait Zivungako. Il a vécu une seule femme, rien que ma maman, ma grand-mère, Oh non, Angwa. Angwa. une angoisse. Une Angwa. Oui. Une La angoisse. famille de Chimizuna. Une Attends. Ils ont alors, mon grand-père a formé tout le monde et se met derrière lui disant Angola et Wondo. Qu'on nomme Angola et Wondo. Angola et Wondo. C'est le chant. C'est le chant de mon grand-père. Et c'est le panier de Ngwabisoko qui demande oui. à Monsieur Bia, pardon, je demande le panier de Ngwabisoko. Quand Ngwabisoko, les Allemands sont venus pour menacer mon grand-père. Nous étions nous deux à la maison. Ma grand-mère faisait enlever les arachides de l'autre côté. De l'autre côté, au champ. En face de la maison. Les Allemands sont venus avec les armes. Ils portaient leurs chaussures qu'ils portaient dans le temps. On appelait ces chaussures gamas, gamas, les grosses, les ceintures. Et ils mettaient les bandes. Les bandes comme, quoi? Leur armée. Oui. Mettez la baïonnette sur le fusil devant, Oui. le long arme, avec la baïonnette devant. Et ils m'ont trouvé avec mon grand-père. Une fois, pour la deuxième fois, pour la première fois, le grand-père les avait dit, le voilà qui était assis ici. Là, voilà sa chaise, sa place où il était assis. Le voilà qui venait de sortir là. Suivez-le. Ils s'en vont koum 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 avec la rivière qui va là, on appelle ça Apemont. Apemont. Rivière Ils descendent à Apemont, en bas là. Koum 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 koum. Ils l'ont pas vu, ils sont partis. Ils sont revenus encore pour une deuxième fois. Pour une deuxième fois, ils l'ont trouvé avec moi toujours. Au lieu qu'ils fassent alors comme les avaient recommandé, et moi j'ai vu comment mon grand-père disparaît devant moi. Il y avait les paniers là, les paniers, les gros paniers qu'on appelait Mungunda. Et j'étais à côté avec lui, j'étais avec lui. Il a disparu. Nous étions nous deux. Quand vous entendez Ongwa-Bissau, le nom des Zibi. Le nom des Zibi. Ce n'est pas une petite nom. Mbombo est là. Il est en les sept collines que vous voyez. Que quelqu'un ne parle pas de Yaoundé n'importe comment. Et Yaoundé est gardé par Ngwabisoro. Ne croyez pas que vous faites comme tout ce que vous faites là. Mais le grand responsable qui sait comment ça se passe ici à Yaoundé, me voici. Mon grand-père est mort, j'étais le jour que mon grand-père est mort. Et je sais où on a enterré mon grand-père, moi aussi. C'est moi qui connais, ce n'est pas que les Allemands l'ont tué. Mon grand-père a laissé un grand sur le petit rocher de Mbankolo là. Il y avait une chèvre, une chèvre de deux fils. Deux fils. Je ne sais comment cette chèvre a disparu. Le palmier de neuf têtes que mon grand-père a laissé. Je ne sais pas si c'est encore là.